Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chaos Games, je suis Kaoril et aujourd'hui nous voici de retour sur Project Zomboid avec mon mal de pied et mon graton baveur qui me donne toujours les mêmes conseils. Il m'a l'air tellement affolé le pauvre, il est trop mignon. Enfin bref. Donc, aujourd'hui, comme tous les jours, on va essayer de trouver des petits goodies pour améliorer son quotidien dans ce monde de zombies. J'ai même pas mis de drap ici, mais qu'est-ce que je fais n'importe quoi. C'est pas grave. Donc on va aller dépouiller les maisons du voisinage, plus ou moins proches, pour essayer de trouver de préférence des antidouleurs et de quoi faire un petit jardin, car je me sens une âme de jardinier. Oh, j'entends des gens crier, c'est bizarre. Alors, il y a eu une hécatombe dans le quartier, je ne sais pas qui a tué tous ces pauvres petits zomblards qui avaient l'air fort sympathiques de rien demander à personne. Et... Ouh, qu'est-ce qu'elle me veut l'autre là-bas là? Qu'est-ce qu'elle me veut? On dirait Tina Turner là, ou je sais pas quoi. Hein? Là voilà. Dum 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 dum. C'est Sigourney Weaver, elle sort d'Alien! Bim! Eh ouais, Sigourney! Allez, allez, allez! Eh bé! Chaussures, chemisier, pantalon. Rien d'intéressant sur toi, Sigourney. Essayez de se faire ce qui campe là parce que il m'agace. C'est avoir des zombies dans le quartier, c'est toujours un risque. Et les risques, il vaut mieux les éliminer à coups de batte de baseball. Voilà. En plus, ça fait gagner quelques petits XP. Bon, non, je suis déjà somnolent, quoi. Bon, on va se faire ces zombies et on ira dormir après. Parce que rien de tel avant d'aller se coucher que de se faire quelques petits zomblards. Sac de rando. Je m'en fous. Ils sont passés où? Allô? Allô? Ah. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Tu dis... Ouh! Je t'avais pas vu arriver, t'étais caché derrière un bosquet pour faire ton pipi, hein? Ah mais oh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueulasse dans le jardin! Pas de toilette, hein? Allez, tu l'as eu! Voilà. Bon, bah, elle a décidé que non. Allez, hop, on rentre à la maison. Oh là là, mais j'ai commis des hécatombes dans les rangs des zombies, quoi. J'ai tué plus de zombies que des habitants de la ville, c'est pas possible, quoi. Un problème démographique. Là. Donc, bœuf séché, petit pois, bah voilà. On va manger la moitié. Avant d'aller se coucher, ça fait toujours plaisir. Le gâteau plat rôti. 1,3 kg le plat rôti? Bon sang, il est en fonte! Allez, mange-moi ça et arrête tes bêtises. Le gâteau, marmite d'eau 6, ça va. Bande à châle, on va le nettoyer quand même. Parce que... Ah, il y a que. Oui, tout ça, hop, soyons fous. Ah, mon bordage est dégueulasse! Choper la mort, moi, si je garde ça. Brûlé. Désinfecté avec la bouteille de Sky. Ouh, ça pique! C'est comme ça. Petite blessure, ça va aller mieux. Vu que j'ai le bide bien blindé, ça ne saurait qu'aller mieux. Bon, je vais te trouver une bonne serviette de bain, on va la garder sur soi, on sait jamais. Voilà, on va aller à l'étage, faire sa petite nuit. Puisque Monsieur a décidé d'être épuisé. Dormir 8 heures, voilà, ça fera lever à 4 heures du mat. Ah, cette légère douleur. Elle m'embête. C'est embêtant parce que si la douleur s'aggrave, elle peut devenir tellement forte que le personnage ne peut plus dormir. Et c'est dommage dans ce cas-là. Puisque forcément, il est épuisé. Manger des somnifères, ça peut aider, mais c'est pas top, 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 top. Un petit point de talent dispo. 106 XP le prochain point de talent. Vous abusez, les gars. C'est de l'abus ultime. Alors, on va plutôt faire un rôti. On va plutôt se faire un petit rôti en attendant que le jour se lève. Et non, pas dans le sac à dos. Oh, qu'est-ce que ça veut dire?
Tu es déraisonnable. Créer légumes rôtis à partir de steak, oui, parce que légumes steak, c'est logique. Alors, mais non, mange pas ton steak. Oh. Tu vas mettre des petits pois. Steak et petits pois, c'est bon pour toi. On va ranger le steak et les petits pois dans le frigo. Dans le choix cru. Manger, non, je voudrais ajouter des épices surtout, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Ajouter sel comme épice. Et ajouter poivre comme épice. Et là, ça devient un plat, mais délicieux! Hop là! Au four, ça cuit, on va accélérer le temps. Tic-tac-tic-tac-tic-tac. Ça cuit. Ça cuit bien, ça cuit vite. Je me demande s'il faudrait pas que j'aille faire à manger chez le voisin pour éviter de recramer la maison une fois de plus. Ce qui serait quand même dommage. On va en manger un quart tant que c'est chaud. Et puisque c'est chaud, eh ben je le fous au frigo. Voilà, choc thermique, connais pas. C'est parti. Donc on va se diriger vers la grande route qui passe sur le côté. Là où il y avait plein de copains. Oh, ma batte de baseball a fait sévèrement la tronchouille. Peut-être en changer, puisque j'en ai deux dans ma bibliothèque. Ce serait dommage de me retrouver tout nu devant une horde de zombies alors que je suis un joueur de baseball professionnel quasiment. Voilà. Hop. Dégage ta batte. Et équipé à deux mains, tu vas prendre la meilleure. Bien joué. Elle est toute neuve celle-là. Et certainement signé par un joueur de renom. Oui, t'as raison, va dans le bosquet. 7h20 du matin, c'est l'heure idéale pour aller looter. J'y ai déjà été, de toute façon, j'ai déjà tout fouillé par là. Donc, on va arrêter de courir et de faire l'andouille, puisque là, on arrive dans des zones un petit peu. Voilà. Donc là, c'était le parking de la supérette où j'ai trouvé tout un tas de légumes pourris, c'était fort sympathique. Et fort dégueulasse aussi, accessoirement. Cette maison-là, je ne me rappelle plus l'avoir fouillée, donc on va y aller. Ah, il y a des gens dans le jardin. Petite garden party. Allez, 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 et voilà. Yep là. Oh goddamn shit! C'était pas moi! C'était pas moi! Bon, je pense qu'ils ont pas eu le temps de me suivre. Non, tout va bien. Bon, au moins l'avantage c'est que ça va attirer tous les zombies du coin par là-bas. Donc je vais être tranquillou pour aller fouiller plutôt dans l'autre coin. Chose que je vais m'appliquer à faire immédiatement. Peut même plus cambrioler les maisons en paix, quoi. Oula! Ah ouais, c'est la transhumance, quoi. C'est la transhumance. Bon, bah tout va bien, ils m'ont pas vu, ils s'en foutent en fait. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bosquet, tout ça, j'ai déjà tout fouillé. Mais oh, qu'est-ce que j'ai pouillé les maisons? C'est pas possible, j'ai pas été raisonnable, mais du tout. Du tout, du tout, du tout. Là où il y a l'église, je m'en moque. On va plutôt monter. Ces maisons-là, je me les étais faites. Waouh! Ah, elle m'a vu, elle. Elle m'a vu, elle en peut plus. Elle veut goûter mon cerveau. Oh, puis elle a une pêche! Ça tombe bien, moi aussi. Chaussures Smith, je suis poupée. C'était pas l'heure de jouer à la poupée. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Oh là 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 là, ça a fait un déplacement de populace.
Waouh! C'est moi qu'ils ont vu ou. Ou bien. Oh là 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 là, c'est pas raisonnable tout ça. Ah, la vieille alarme pourrie, quoi. L'alarme qui fait des mauvaises blagues. Bon. On va plutôt aller. Contourner l'église. Parce que ces trois lascars, là, ils m'inspirent que très peu confiance. En espérant que je trouve un petit chemin vers le centre-ville, parce qu'au centre-ville, il y a pas mal de magasins, il y a des entrepôts, tout ça, qui peuvent être plein de bonnes choses. Et des bonnes choses, j'en aurais bien besoin. Oh là là, le monde. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouf, ça commence à faire nombreux, ça. Même pour un super-héros tel que moi. Ouais, en fait, l'alarme a fini de sonner, donc ils sont en train de se répartir. On essaye de les contourner, mais vu la population de zombies qui a été déplacée par cette alarme. Ouais, courageux, mais pas téméraire non plus, quand même. Couper à travers bois, même si j'aime pas ça, puisque derrière un bosquet, il peut toujours y avoir un bon vieux zomblard qui sort en disant Coucou, chez moi, comment tu vas? Et ça, j'aime pas trop quand ils viennent me demander des nouvelles. Comment ça va, la femme, les enfants, la famille? Donc voilà. Voilà. Toute seule, ça c'est sans problème. Eh oui, ah oui. Voilà. T'as quoi sur toi? Grand sac de randonnée. C'est une randonneuse. Ouh, y a du monde. Y a ouh, deux, ça peut le faire. C'est 3, 4, ouf, c'est tendu là. Surtout qu'ils sont tous en mode bad trip. Faudrait qu'il y en ait un qui me voit et qui vienne lentement. Voilà, comme toi par exemple. Non, ou pas. Aïe 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 aïe. Le problème c'est qu'il y en a, il y en a plein là derrière les bosquets. J'ai peur que le bruit les attire. Et là autant en affronter 3 ou 4 quand c'est bien joué avec stratégie, ça peut le faire. Mais 15 ou 20 là, c'est juste. Non. Non, non, non. Voilà, c'est lui déjà. Oh, il a appelé sa copse, qui est bien en forme. Oh purée, non, ils sont pas trop au chat en fait. Ok. Voilà, ça c'est l'exemple typique et concret de ce que je ne voulais pas faire. Ah, et puis ils me suivent tous, hein. C'est du genre, ils sont tous amoureux, quoi, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Je sais que des bouteilles vides sur une bouteille d'eau, c'est toujours ça prêt. Ils me poursuivent toujours là les Pokémon là. Ah bah oui. Pika Pika. Pika Pikachu. Et en plus j'ai faim et je n'ai rien à manger sur moi. C'est pas grave. Au moins il y a Pika Pika qui est là tout seul. Je vais pouvoir me le faire. Non, il fait demi-tour. Je vais plutôt refaire le tour et puis rentrer à la maison, hein, même si c'est perdre du temps. Face à autant de zombies, vaut mieux pas trop jouer le malin non plus. Hein. Parce que voilà, on rigole et ensuite. Ouh, 5. Peut-être essayer de me les éliminer ceux-là. S'il y en a un qui daigne venir me faire le bisou. Allez, viens me faire le bisou, toi. Bim dans ton crâne chauve. Voilà, un de moins. Plus que 4. Personne derrière. Non, tout va bien. Qu'est-ce qu'elle veut, Miss Jupette là? Bim. Allez. 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 On sent, elle a le crâne dur. Voilà.
Ouais, j'ai pas assez préparé mon coup pour le faire tomber. Là, ça va le faire. Voilà. Plus que deux. Donc quand c'est joué, faut vraiment prendre son temps avec les zombies, quoi. Les laisser venir. Et waouh. Voilà. Et oh, qu'est-ce que je fais? Les laisser venir et essayer surtout de les affronter un par un. En partie solo, c'est ce qu'il y a quand même de mieux à faire. Alors, soit sur carte de crédit, pantalon, portefeuille, pullover, chemisier, jupe, rien de rien de rien. Qu'est-ce que c'était avec ça? Carte de crédit encore, je m'en fous. J'ai envie de faire un crédit conso. Voilà, j'aurais pas monté bandage seul. On va mettre le bandage, petite blessure, vu que j'ai faim, ça va pas se guérir. Oui, je voulais voir si j'avais pas des XP, non pas encore. Parce qu'améliorer les aptitudes de combat, c'est fort utile. Non, c'était par là en fait. Qu'est-ce que je fous dans les bosquets? Je suis perdu dans les buissons. Fatigué, besoin d'une pause, hein, un petit creux, une chère douleur. Toujours un pet de travers, hein, celui-ci. Ah, c'était la maison du voisin. Oui, bah tu vas faire une pause à la maison en faisant un bon repas. Un bon plat de pâtes, là. Ça te requinquait, ça te calait l'estomac. Ouais, ça commence à devenir compliqué d'aller trouver des maisons à looter. Commence à y avoir tout le temps une sacrée distance à faire. C'est pas terrible. Et puis les zombies, sur eux, ils ont rien à manger, quoi, les gars. Et... Allez, mange une bonne moitié. Très bien nourri, voilà. Tu l'as fait ta pause là, ça va? Ou ça va pas? Non. On va marcher et éviter de se battre. Comme ça, il se fatiguera pas trop. Petite marche digestive. Au milieu du champ de cadavres de zombies. Voilà, voilà, voilà. Ça a bien grouillé d'asticots, de mouches et autres. Et toutes les bonnes choses de mère nature. Bon, bon, bon. Bah, on va essayer de retourner à cette maison qui a hurlé alors que je voulais juste rendre une petite visite le courtoisie à mon voisin. Le problème, c'est que je peux tomber sur une horde à tout moment, puisque avec le déplacement de population qu'il y a eu, ça peut être tendu. Les somnolents, ils devraient se coucher, mais c'est quoi ce narcoleptique, quoi? Oh non, j'ai cru qu'elle était toute seule derrière la barrière, elle, mais elle a ramené tous ses copains. Oh là 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 là, c'est pas folichon, folichon! En plus, avec mon Joe la ronflette, là. Faudrait au moins que cette journée je ramasse quelque chose. Essaye de les esquiver par les fourrés. Ouais, mais le problème c'est que non, je vais faire un vacarme de tous les diables dans les fourrés. Oh, le monde qu'il y a. Boy, boy, boy. Je suis bien mal parti par là. De l'autre côté, il y a du monde sur la route comme c'est pas possible. Bon. Bon, bon, bon. Puis de toute façon, je me sens pas de faire un long combat stratégique avec les zombies, avec un perso qui est somnolent, qui va pas tarder à pleurnicher comme quoi il a vraiment trop sommeil, il veut vraiment trop dormir et tout, que je suis le roi des méchants. Puis en plus, il est tout le temps fatigué. Donc non, je crois que la pause va s'imposer. Il va falloir aller dormir. Allez, rentre chez toi, coucou, comment ça va? On va partir demain matin à la fraîche, aux aurores. C'est quoi ce bruit? 1h20 du matin, ah ouais, c'est peut-être un peu trop à la fraîche là quand même. C'est quoi ça?
peut-être un peu trop à la fraîche quand même. Ah, il a plus sa douleur. Good news. Il a enfin soigné son pied. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Un souci de moins. C'est un souci de plus en moins. Bon. Bah, en attendant l'aube, est-ce que je me ferais pas des trucs à bouffer? Non, de toute façon, j'ai même plus trop de poils et autres joyeusetés. Non, la file, café, chips. Oh, les draps, ouais, tiens, je vais. Je vais en mettre sur les fenêtres là parce que c'est juste pas raisonnable d'avoir les deux fenêtres qui sont pas couvertes. Ça risquerait juste de me faire des bons soucis. Bonne blague. Hop là. Voilà, je me sens un peu moins niais déjà. Non, avec le peu de clous que j'ai, je peux même pas construire des fortifications pour ma baraque. Donc tant pis. On va essayer de voir si les copains sont partis du secteur. J'y crois que très très peu. Au pire, je vais essayer de faire le grand tour. Alors. Ouais, waouh. Il y en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Cassos. Ce bar de là, c'est vraiment pas la bonne idée que d'aller faire le malin avec une quinzaine de zombies en pleine nuit. J'aimerais de préférence éviter. De là, on va marcher d'une part pour éviter que monsieur soit fatigué, qu'il en ait marre, qu'il ait mal aux pieds, et aussi pour éviter de faire trop de bruit au cas où derrière les fougères il y ait des petits zombies en embuscade ou en train de faire des cochonneries. Oh oh oh, et non, je m'en fous de ça. Ils sont deux, ouais. Venez, copains. Copain, copine, m'a pas vu, elle veut pas venir me voir. Elle m'a vu, voilà. Bing. Et ça tape, et ça tape, c'est sa façon d'aimer. Voilà. Bon bah l'autre a disparu dans les fougères, mais c'est toujours un zombie de moins qui pourra me faire des tracas. Parce que les tracas, j'aime pas ça. Voyons voir. Qu'est-ce que nous avons par là? Rien. Aïe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça commence à faire nombreux ça. S'il y en a un ou deux qui veulent bien venir me voir tout seul, que je pourrais gérer, mais non. Genre, il saute. Ah, toi, tu m'as vu, toi. Allez. Viens, copain. Viens. Viens, je t'éloigne de ton petit troupeau. Boum! Voilà, tu leur transmettras ce message de sympathie et d'amour de ma part. Plus que 5. Dadadou dadou 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 dadou. Oula, ils sont deux. Bim! Vous avez vu ça un petit peu? Si ça c'est pas du talent, je sais pas ce que c'est là. Deux d'un coup.
3 d'un coup, par contre, c'est suffit du talent, c'est un miracle qu'il faut. Ouais. Eh ben, on dirait que... Le miracle de Noël, quoi. Et voilà. C'est comme ça qu'on fait. Et qu'est-ce que c'est que ça? J'aimerais bien manger un petit bout, quand même. On va essayer de ça. Le problème, c'est qu'ils m'ont tous vu, là. Ouais. Ils ont entendu leur copain couiner et ça leur a pas fait plaisir, apparemment. Ouais, t'as de quoi paniquer un petit peu, là, je comprends. Je confirme. Je valide que t'es en droit de paniquer. Et de t'enfuir en courant, accessoirement. Hop. Mais pour mieux revenir au combat, parce que tu es un super héros. Voilà. Petit coup dans sa mouille, un de moins. La cervelle a giclé, je l'ai vu, ça fait du bien. Ah là 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 là. Hop. Et je suis en train de les affaiblir. Un de moins. On fait demi-tour. Il est en mode super panique. Mais tout va bien. Et on fait gicler le cerveau. Non, pas gicler. Un cerveau de moins. Voilà. Allez, la dernière. Crève, 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 crève. Tous tes parasites de ta race. Voilà, écouteur. Je me suis juste, tout va bien. Ouah, et précision fortement réduite. Le gars, il est en panique de l'extrême. Et quand le perso est en panique, je sais pas si ça s'entend vous sur la vidéo, on entend son cœur qui bat de plus en plus vite, plus la panique augmente. Et c'est assez sympa, assez stressant en même temps. C'est vraiment ce qui fait les petits charmes de ce jeu. Oula, il est juste affolé maintenant, tout va bien. Affolé précision, je vais essayer de garder mon calme. Ah ouais, je viens de me faire 15 zombies, tout va bien. Ouais, non, là par contre, non. Là par contre, là, je ne suis pas vraiment d'accord avec cet argumentaire, quoi. On va essayer de monter, quoi que là où il y en a encore. Wow, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein partout. Et comment je vais faire pour passer, moi? Parce que d'un côté il y en a plein, de l'autre côté il y en a plein, en gros je suis bloqué dans ce secteur quoi. Bon. Il y a quoi là-haut? Essayez de fouiller là-haut. En faisant un petit détour. En espérant pas tomber sur un joyeux campeur dans les bois. Alors qu'est-ce qu'on a? On a encore plein de monde, c'est pas possible ça. Non. Ah ceci. La partie était trop bien partie en fait. Ce signal d'alarme m'a remis à l'esprit que voilà, ce jeu ne plaisantait pas. 6-7. Non, 6. Faut que j'arrête de jouer au malin, là. Ça va finir par jouer les tours, 7. Oui non, c'est bien beau, ça a eu payé, mais ça paie plus. En plus, j'ai quand même endommagé ma batte. Et quasiment à la moitié de son efficacité. Donc. Non. C'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable du tout. Oh, et puis en plus, derrière moi, j'ai laissé des copains. Se coucher, faut le camp. Voilà, toi tu resteras couché définitivement. Et toi, toi aussi. Ils ont rien sur eux, ces zombies. Et voilà, pour continuer le bonheur, il pleut. Heureusement, j'ai une serviette, mais faut que je me grouille le fessard. De revenir chez moi. Fatigué, humide. Manquerait plus que ça que je retombe malade. Histoire de cumuler tous les goodies.
Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas eu une galère. Ce serait dommage de pas continuer. Mouillé. Je me dépêche, hein. Je vais me cacher sous les arbres. Ce qu'on m'a dit de faire en cas d'orage. Wouah! Qu'est-ce que c'est que ces gens dans mon jardin? Purée! Comment ils ont fait pour atterrir ici, ceux-là? Je vais remplir sa bouteille d'eau, ça sera toujours ça de fait. Il pleut toujours dehors. Encore, il pleuvrait pas, j'aurais pu essayer d'aller me les faire, mais. Oh là 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 là. Bon. Puisque j'ai des zombies dans le jardin. Je vais me préparer une petite poêlée de steak. Au petit pois. Et on va ajouter du sel. Parce que j'ai fini mon poivre apparemment. Bon, je vais pas tout prendre, j'aimerais. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas allumer la gazinière. Voilà autre chose. Ah, ce serait pas la blague qui a plus de courant. Superbe. Superbe, superbe. Bah ouais. Ok. Alors, donc tout ce que j'ai dans le frigo, ça risque de tourner assez rapidement. Tout va bien. Tout va bien, ça ne se passait que trop bien. Il pleut. Il n'y a plus de courant. Il y a une alarme qui a tiré tous les zombards à côté de chez moi. Ah, et puis, il n'y a plus de courant, Hein. Pas une ampoule qui a grillé. Hein. C'est pas les plombs qu'on sautait, quoi. Ok. Bon, et ben c'est sur toutes ces bonnes nouvelles que nous allons nous laisser pour un prochain épisode qui risque d'être épique. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, il a été bien chargé en combat et de temps en temps, ça fait plaisir. Alors, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour des nouvelles parties de Project Zomboid ou d'autres jeux. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce vert, regardez les vidéos, devenez fou, tout ça, c'est merveilleux. Allez, salut !